Salut tout le monde, c'est Fish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le mode créatif de Fortnite pour tester le parcours d'un abonné qui est juste ici. On va découvrir donc son parcours pour voir qu'est-ce qu'il nous a prévu pour cette vidéo. Il m'a dit qu'elle devrait durer à peu près 25 minutes, donc on va voir si on est lent, si on est rapide, enfin bref, on va découvrir ça tous ensemble. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas d'exploser cette barre de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Si on pourrait atteindre les 2000 pouces bleus, voire les 3000 pouces bleus si vous êtes chaud, n'hésitez pas, moi ça me ferait super plaisir. Et aussi de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, très très important pour recevoir toutes les notifications de toute mon activité sur ma chaîne YouTube et donc ne manquer aucune de mes vidéos. Et aussi, en plus de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Snapchat ou encore même mon serveur Discord, tous les liens sont en description si tu souhaites te proposer l'une de tes maps parcours ou tout simplement participer dans l'une de mes vidéos. T'as juste à rejoindre mon serveur Discord, le lien d'invitation se trouve en description. Et aussi, dans la boutique d'objets, très très important, encore plus que le serveur Discord, go soutenir un créateur, Kochuto, S-H-O-U-T-O, minuscule ou majuscule, ça n'a pas d'importance. Juste n'oublie pas d'accepter, comme ça tu auras en créateur soutenu Shuto. Puis je pense qu'on a à peu près tout dit. On va être parti pour découvrir sa map. Donc c'est parti. Ah là là, c'est bon, il nous a préparé le parcours. Il l'a nommé Death Run Fish. Donc c'est bon, c'est bien le parcours de mon abonné. On est parti pour découvrir qu'est-ce que ça donne. Bah let's go, gros, tu peux lancer le jeu. Normalement tu m'entends, je pense. Ok, c'est bon. Ah ouais, directement la base des Death Run. Un couloir de piège, bon ça va. En vrai il y en a trois, je pense pas qu'on va trop galérer là-dessus. Inch'Allah one shot. Ok, c'est bon, on a one shot. Un secret est caché dans cette pièce. Oh ouais, tu nous as carrément fait des petits easter eggs. Un secret est caché dans cette pièce. Ok, ça veut dire qu'on peut passer à travers un piège. Je suis persuadé que c'est ça, 100% les gars. Hop, on va tous les faire. C'est obligé. Oh, c'était sûr. Ah, oh, c'était tellement prévisible. Oh, let's go. Ok, du coup, il y a quoi? Oh, directement, on a trouvé la salle secrète. On est chaud. Ok, du coup, faut aller là-bas maintenant. Oh, merde. Je pensais que j'allais pas aller assez loin en fait. Et d'ailleurs c'est cool parce qu'en fait Fortnite, enfin plutôt Epic Games, ont réglé le problème là des checkpoints. Du coup ça c'est cool, on va pas avoir des problèmes genre on réapparaît au dernier checkpoint d'avant. Merde, je suis allé trop loin. C'est soit je vais passer loin, soit je vais trop loin. Bon, ça va, c'est le début, tranquille. On a le droit à quelques erreurs je pense. Oh, il est allé hyper loin. Ok, j'ai pas capté. Oh oh, il est allé ici je pense. Ok, c'est bon, on est passé. Mais du coup là on est passé par une salle secrète. Mais ça me met où? Il y a deux Death Run différents, c'est ça? Ah non, ok, bon bah c'est bizarre. Let's go, encore des checkpoints, GG. Bon, ouais, il nous félicite, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie les gars. Ah, ah d'accord, d'accord, faut enchaîner les jumps. On peut pas directement aller tout en haut? Ah si, c'est bon. Ok. Ah merde. Je me prends la tête dans cet objet, je sais pas comment on appelle ça. Ok, c'est bon, on a encore une fois les checkpoints. De retour avec des répulsives. Là c'est une single, la double. Ouais, la double, hein. La fameuse. Bon, allez, ça on y arrive du premier coup. Ok, on y est arrivé du premier coup. Encore des répulsives. Elle aime bien. Il aime bien les. Oh non, mais... oh non, t'étais presque. Je l'ai vu retomber. Oh le beau gosse. Ok, c'est bon, il est passé. Tac. On passe à du premier coup. Oh non, j'ai réussi à mourir. J'aurais dû sauter au tout dernier moment avant que ma répulsive elle explose. Comme ça, j'aurais vraiment optimisé la vitesse et la distance. Et je pense que j'aurais réussi en fait. Mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai voulu trop me dépêcher. Ah, mais même là en fait. Mais même là, j'ai voulu trop me dépêcher. Gros, je commence à mourir plusieurs fois d'affilée. On va y aller doucement. Vous savez quoi? On va pas se précipiter. Voilà, ça passe. Ok, on est passé largement. C'est limite, je touchais directement le checkpoint. Vas-y, Bat, je t'attends. Oh, tu passes. Oh le beau gosse, il est passé. Ah, oh, ça va, il est pas. Ok, non, c'est bon, il est pas compliqué. C'est bon, on est passé. What? Ah, ouais, ça c'est sûr, ça c'est pas le couloir à trois pièges du début. Hein. Là, c'est un petit peu plus long, quoi. Non, ouais, c'est pas ça. Vas-y, on est parti, gros. En fait, c'est risqué ce que je fais parce que je bait tous les pièges d'un coup alors que. Voilà. Voilà pourquoi c'est risqué, parce que je vais trop me dépêcher. C'est vraiment une histoire de timing. Bon, on va y aller un petit peu plus lentement. On va se faire comme ça, vous savez quoi. Mais j'ai pas intérêt à foirer le bait du sol. Parce que si je le foire, du coup, je vais prendre du retard. Parce que là, je fais que marcher et je ne cours pas. J'ai pas le droit à une seule erreur, là, en fait. Ok. Ok. Ah, c'est bon. Ah, je suis arrivé à la fin. Putain, j'ai même pas vu les pièges passer. Ah, mais Matt, t'es encore au bout? Pourquoi tu me laisses aller? C'est pas. Hein? Attends. T'es sérieux? Attends, non. Ah, c'est pour ça que tu restais au bout, je me disais bien que tu faisais pas l'étape. Oh l'enfoiré. Non. Faut passer où là? C'est quoi le délire? Ah ouais. Ah mais gros, tu m'as complètement troll. Bon après ça va, j'ai pas passé trop de temps là dessus T'inquiète, c'est bon, ça je connais les labyrinthes où faut regarder au plafond, c'est bon, ça je connais. Tu sais, en me retournant, j'ai vu la porte et je me suis dit,
Eh mais attends, il y a une porte, c'est là qu'il faut passer. Mais vraiment, Ego, t'es chaud en troll. Hein. Vraiment, t'es très très chaud en troll, va. Bientôt fini. Attends, on est déjà à la fin. Là, tu me rassures. Oh, l'enfoiré. Eh mais t'es trop chaud, Matt. Eh les gars, je suis en compagnie d'un abonné. Il est trop trop malin, je jure. Il fait tous les brains possibles. Je vais faire mon 200 IQ. Je vais y aller doucement. Je vais réfléchir 4 fois avant de prendre une porte comme là. Quel est le troisième président des États-Unis? Alors, faut savoir que j'ai absolument aucune culture générale. Bah franchement ouais, je serais chaud pour aller sur Fish, hein. Moi je suis complètement le président, je suis complètement d'accord avec lui. Mais je sens que c'est encore un troll, ouais bah voilà, c'était de la culture générale quoi, mais moi j'ai pas. Je suis sûr que derrière votre écran vous connaissez tous la réponse, mais du coup moi je la connais pas. Putain, il est drôle quand même, il a mis Fish ce bâtard. C'est soit George Washington ou Thomas Jefferson. Alors franchement, j'ai plus entendu de machin Washington que Jefferson là. Bon, franchement, j'ai réussi moi. Attends, je me suis trompé là. Je me suis trompé. Ouais, ouais, je me suis trompé. Oh le bâtard, mais putain. Les gars, je vous jure, je me suis trop nul. Oh là là, elle me troll complètement. C'est hallucinant, les gars, je vous jure. Bon, vas-y, je reviens. C'est bon, je me mets en route. Du coup, j'imagine que c'est Thomas Jefferson. Ouais, voilà, c'était ça, ok. Fish. Ok, ok, GG à toi, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Matt Le Plou. Ah là là, ça fait sa petite pub, ouais, ouais, ouais. Pour gagner, ça veut dire que là, on n'a toujours pas gagné en fait, c'est toujours pas la fin du parcours. Attends, tu croyais que c'était fini? Ah, ce bâtard! Ah ouais, coach Chouteau dans la boutique. Ah mais ça en plus, il m'avait envoyé une photo de son labyrinthe avec les coach Chouteau dans la boutique. T'as mis le coach Chouteau dans la boutique du coup? Bah ouais, logique. Ok, en fait, il a fait un labyrinthe avec le code créateur. Non. Oh non, on n'a pas déjà trouvé la fin là quand même. Attends, on n'a pas déjà trouvé. Attends, je vais quand même aller voir les autres sorties parce que si je me tape un piège, en fait, j'aurais bien le sub. Non, je crois qu'en fait, c'était vraiment la bonne sortie. Oh, il y a une faille. J'entends un truc bizarre. Ah non, là-bas, il y a un checkpoint. J'ai couvert un checkpoint, les gars, derrière. Ah bah là, il y a un checkpoint. À mon avis, c'était sans doute la mort là-bas. Ouais, 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 c'était la mort. Hein. J'ai bien fait de vérifier. Hein. Ah, c'est bon, je commence un petit peu à te connaître. Tu vois, tu m'aurais mis ça dès le début. Je pense que... Oh. Aïe. Matt, il s'est pas échauffé là pour les strafes aujourd'hui. Coup dur. Oh non, mais non. Je mange des carvins, hein, ça c'est clair. Je suis en train de narguer Matt et au final, ça me retombe dessus. On va pas abandonner. En plus, ça va. On s'en sort plutôt bien là sur ce Death Run. Oh, il y a un quad. Attendez, il y a des quads là qui nous sont réservés juste après. On va regarder qu'est-ce qu'il nous a préparé. Dernier strafe, ça passe. Oh non. Matt, sérieux? Ah, en plus, il a raté son troll. Matt, t'as raté ton troll. Ah, t'es conscient de ça? Regardez-le là. Regardez-le là-bas, on va le voir. Regardez-le. Ah ouais, mérite, allez, tiens, cher. Ah, ce bâtard, il a voulu m'enculer avec le quad. Oh merde. Ah non, si. Oh, let's go. Ok, bon, le quad, il a pas survie, mais c'est bon, je suis passé. T'inquiète, il va casser, je pense. Oh, oh, le ouf, oh le ouf. Oh non. Ah, ça, c'est mérité, hein. Oh, ok, c'est bon, Matt, il est passé. Donc, qu'est-ce qu'il nous a réservé? Oh, attends, attends. Je peux caresser ton chien derrière. Attends, what? C'est nouveau ça ou c'est... Allez, tu veux que je la caresse pas? Ah ouais, c'est nouveau. Ah d'accord, j'étais même pas au courant. Fish. Et n'empêche, tu dois prendre du temps là, écrire les... mon pseudo Fish parce que t'as mis des tout petits carrés. GG Fish, cette fois-ci, c'est la bonne. Coach Chouteau dans la boutique et ma chaîne Matt Le Plou. J'imagine qu'une fois qu'on aura pris cette pièce, on va devoir se quitter Matt Le Plou. C'est la triste vérité. Aïe 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 aïe. En tout cas, le parcours, il était pas trop compliqué, super sympa, mais il m'a aussi beaucoup trollé, mais... Faut pas le dire, hein, les gars. On garde ça entre nous, hein, on est bien d'accord. Mais en vrai, il m'a trollé énormément de fois. Parce qu'en fait, il y avait une porte tout au fond, mais je me demande qu'est-ce que ça fait une fois qu'on va là-bas. Donc là, on retourne au début avec... voilà. Ouais, vas-y, si tu veux, bait. Vas-y, je te laisse, hein, y a pas de soucis. C'était juste derrière que je voulais voir. Ah bah merci, gros, c'est gentil. Un secret est caché dans cette pièce, du coup, on passait à travers là. Ça se trouve, il y avait plusieurs cachets de secrets, en vrai, je sais pas. Ouais, tu veux que je vienne t'aider? Ouais, attends, je vais venir aider Matt le plot. Bouge pas, gros. Je vais venir te prendre par la main, on va y aller ensemble. Reste bien là, tu restes bien derrière moi, d'accord? On va passer ensemble. C'est bon, voilà. Comme ça, on passe ensemble. Ouais, du coup, c'est ici aussi que je voulais vérifier. Donc, il se passe quoi, là? Ah, il y a aussi un passage là. Ah, mais il y a plusieurs passages secrets. Il y a quoi ici? Ah, non, d'accord.
Donc ça, ça nous menait à la mort, donc j'ai bien fait de pas y aller. Parce qu'en fait, au début, je pensais qu'il y avait deux passages différents. Bon, je lui avais quand même posé la question, il m'avait dit non, mais je tenais tout de même à vérifier. En espérant que cette vidéo vous a plu, encore une fois, je vous le rappelle, n'oublie pas d'exploser cette barre de pouces bleus, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est très très important, comme ça tu recevras toutes les notifications de toute mon activité sur ma chaîne YouTube. Et aussi de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Snapchat ou quand même mon serveur Discord. Tous les liens sont en description si tu souhaites venir proposer l'une de tes maps ou tout simplement participer dans l'une de mes vidéos. C'est tout simple, le serveur Discord est disponible, tu le rejoins, tu proposes ta map, tu participes dans l'une de mes vidéos, il n'y a pas de problème, donc je te laisse checker ça. Et dans la boutique d'objets, très très important, soutenir un créateur, code Shuto, S-H-O-U-T-O, minuscule majuscule, ça n'a pas d'importance, juste n'oublie pas d'accepter, comme ça tu auras en créateur soutenu Shuto. Puis je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Sur ce, Matt et moi, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on vous dit à la prochaine, allez, ciao!